yo kipe di mou retou zout apre 3 mwa. Donc 3 mwa mou pangè li ton fè video. Enfin, kou mè bi jè fè video, se fè montage. Pèsi mè nen taz afè ki mè filmè. Donc, mè pou monte zout apè pa dans sa 3 mwa la, ki mè filmè, ki mè tchè foto. Pèsi mè pè lò mè la mè, pè lò mè da fè tchè foto, David photography bientôt la. Mè ti, bref, pou re soupe mè vision mè. E ken da fè mè bi jè zout, nou gen jingle la stè ya. Aujourd'hui, tout pour changer parce que nous un peu plus libre pour nous faire vidéo. Donc, je vais essayer de faire vidéo au moins 2 fois par semaine. J'espère que je vais aussi respecter 2 fois par semaine. Non? Et plus tard, capable de pouvoir faire des routines. Je vais dire que tous les jours, nous pouvons poster au moins une petite vidéo, 1 minute, 2 minutes. Donc, aujourd'hui, nous faisons une petite vidéo et je vais appeler la vidéo là qui est dans mon sac. Et ça, c'est pour un peu plus le. Attends, je vais monter. Je vais vous montrer le premier équipement. Donc, premier équipement, c'est un. J'ai déjà fait un review là. Un GorillaPod de Joby. Ouais, un GorillaPod de Joby. Donc, il m'a pratique et j'ai déjà fait un review là. Côté et nous pour nous attraper nos caméras sans qu'il nous gagne sa conche des vibrations là. Mais là, comme nous m'avons dit, full de la main. Donc ça dit aide nous pour diminuer vibration la main quand on peut faire vlog, disons qu'on peut filmer un caméra, nous quand mettre dans une petite position. Ouais, on a fait caméraman NBC, tout ça, mettre aux épaules. Bref, alors ça c'est un petit peu, pas pourquoi faire dit. Mais nous en a plusieurs parce que c'est là c'est version hybride. Ça me servi dit comme mettre mon petit petit lens là mon caméra comme ça dit bien pratique, les petits mon canette foutu dans mon sac. Et je vais mettre un gros sac pour m'appeler la gueule aussi. Bref. Donc, ça c'était Joby. Je vais mettre le lien là, soit dans la description, soit dans la vidéo là. Comme ça, je peux acheter la vidéo là si je gagne un petit temps. Comme ça, ouais, je connais que je ne pas trop gagner de temps. Mais si je gagne un petit temps, je bref. Donc, après, nous avons ça. Ça, non, ce n'est pas un sapin, ce n'est pas un laquessat empaillé. C'est un micro. Donc, un road mic. Et ça, on appelle la plupart du temps un shotgun mic. Donc ça, c'est qui fait mon capture ban son, ban petit son, comment dire, mon pémo, c'est ban petit oiseau, pécrier, ouais, ban crapaud, l'autre. Et des pratiques parce que ça, une espèce tout poil qui est dans l'eau là, ça nous appelle un windshield. Quand si mon pémo peut filmer gris, côté net, t'as du vent là-bas. Donc, pour couper un peu, ça l'effet du vent là, côté. Sont là pour passer un peu plus bien. Donc après nous avons le nouveau venu. Donc ça c'est DJI Mavic Pro Platinum. Donc pas belle différence entre Platinum là avec Pro. C'est juste qui se les lisse fait moins sa passe et que ce batterie tient un peu plus longtemps. Donc ce batterie tient 31 minutes. Donc nous essayons et tient longtemps. Et donc qui fait mon procès là parce qu'il est plus compact et l'autre là qui a l'impression que je vais compter le nombre de deux parce que tout me travaille pas mon skate et donc ça est plus pratique les random sac tu pas halou là comment un gros case sa gros case Phantom 4 parce que je vais me Phantom 4 mon bon ça et que donc nous avons ce remote compact pareil l'autre là qui Tibel, ouais. Et ça, il m'a récompensé fait. Et après, nous on a un peu travers. Je dis. Donc après, nous on a GoPro. Oh, shit. Donc GoPro, il permet de faire une photo en bas de l'eau et que on les haut de l'eau aussi. Donc des pratiques parce que mon gars mettait l'eau et le met et ça me fait un unboxing là je me suis dit review pour venir mais malheureusement pas une galère de faire review donc maintenant un peu footage que je pense que j'ai besoin capable de trouver GoPro là en action je vais passer un an entre temps
Donc ça c'était pour GoPro. Donc GoPro filmé 4K et Hero 5 Session. 5 Session. Ce prix Maribon, donc je peux mettre un link que ça m'a acheté dans la description. Pas qu'à dire trop faux parce que ton show m'a appelé une payée, mais personne ne peut payer moi. Faire la vidéo là, je peux la casse. Donc nous avons ça. Après nous avons nous 50 mm de chenille. Donc chenille c'est une marque qui est ma caméra. Bref, 50 mm chenille qui pratique. Moi j'ai fait un b-roll, comme je disais, fait avant un b-roll série avec ça, lens ça, ni compact, ni 1.8. Donc plutôt nous faire un petit recap, le thème technique qui est pour photo et vidéo. Ça nous a fait une vidéo après, parce que c'était nous qui avons fait une vidéo. Bref, donc nous avons ça, nous avons. Après nous avons un pouch. Qui est bien intéressant parce que tout le temps avant mon patch pour utilité un pouch et Aster est bien utile quand on a 150 code mémoire pour t'amener toi. Donc si un ladder perdu au coup micro SD là, si un ladder perdu la faille à mon pour une vidéo aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo là. Mon retour soit jeudi soit vendredi pour une prochaine vidéo et pas oublier de checker mon Instagram, Twitter, follower, Facebook. Et me retrouve dans la prochaine vidéo. Cheers!